Hello tout le monde, petite vidéo un petit peu spéciale du coup sur le campus de la Soltier Academy. On n'est pas sur du Rainbow Six ou des trucs comme ça, on n'est pas en train de s'envoyer des grosses cuts dans la gueule. Non, tout simplement c'est une petite vidéo de présentation. Il est bon de rappeler quelques trucs sur le campus de l'ASA et en particulier le fait que je ne suis pas tout seul. Bien évidemment, je suis entouré au quotidien de dizaines de personnes qui sont les monteurs, qui sont les designers, qui sont bien évidemment les surveillants, à savoir les modérateurs, les personnes qui managent toutes ces personnes. Il y a aussi les community managers, réalisation des event aussi. L'ASA, ça a énormément évolué depuis 4 ans où avant on était juste dans la partie de réalisation d'event, mais où maintenant on peut accompagner carrément sur une partie de production. On peut accompagner des noms tels que la RTBF, l'équivalent français de France Télévisions, sur des events comme la Louvar ou à la Gamer Assembly comme on a pu le faire en avril dernier. Mais la majeure partie des personnes qui travaillent au campus de la Soltier Academy, ce sont des personnes qui sont majoritairement bénévoles. Aucune personne au campus de la Soltier n'est salarié. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que des personnes qui quand même viennent, en plus de leur vie de famille, en plus de leur travail du quotidien, donner un peu de leur temps, de leur énergie, de leur motivation au campus de l'ASA. Et c'est justement l'objet de cette vidéo, d'une part de remercier toutes les personnes au campus de l'ASA et d'autre part de faire comme l'année dernière. L'année dernière on a décidé d'inviter toutes les personnes qui font le campus de l'ASA, qui sont des personnes que vous ne voyez pas, qui sont derrière la caméra. On les a invités l'année dernière, je les ai invités personnellement chez moi, ou en tout cas chez mon papa pour le coup, et on avait appelé ça modestement le Solti Festival numéro 1. Et aujourd'hui, pour remercier les personnes qui ont aidé autant le campus sur cette année 2023, on a décidé de faire ce Solti Festival numéro 2. Merci à tous les viewers qui comprennent ça, qui prennent le temps au visionnage. Yo tout le monde, alors moi c'est Vigel, donc départ de Caen, direction Paris. Je suis graphiste et c'est en partie moi qui ai fait le logo du Salty Festival. Valu, valu. Bon, j'espère que vous avez la forme, que vous allez tous et toutes très très bien. Ici c'est Tisma. Il est 5h45 je crois, donc on aille chercher Baizou. Ça va être une longue journée. Elle est pas prête de se terminer, elle commence très très bien. À toutes. Yo tout le monde, c'est Léoui, du coup directeur du jeu. Du coup, communication au sein de la Salty Academy. Que tout ce que vous pouvez à travers les réseaux, c'est moi et mes petits Sam qui les réalisons. Aujourd'hui, c'est le jour J, grand départ pour le Soltier Festival numéro 2. Salut, c'est Quentin 39600, surveillant à l'ASA. Donc là, j'attends mon chauffeur, qui n'est d'autre que le Nano. Et oui, je sais, t'es obligé de l'inviter, bon, parce que hormis sa nullité sur Rainbow Six, il fait au moins des petits dons, etc. Donc bon, on était un peu obligé de l'inviter, même si en vrai, personne ne l'aime, etc. Hello la Soltier, c'est Nano, j'espère que vous allez bien. J'ai plus tellement besoin de me présenter, mais bon, banquier de la Salty Academy, évidemment. Je suis en route pour aller chercher un des modérateurs, comme l'année dernière, et me diriger au point de rendez-vous. Je vous tiens au courant, et allez bientôt vous faire en... Bisous. Et re tout le monde, on se retrouve en voiture avec Jericho, Briette, Scart et le dormeur Foxy, ainsi que moi, le designer. Donc on se retrouve tous ensemble avec toute la clique. À tout de suite. Non, non, il y en a des trucs, pas du tout.
Pour faire simple, on est parti de tout là-bas à peu près au niveau de la route. Là on va faire ça. Là il y a Beagle, bah toujours les mêmes hein. Et là Tipeee est déjà monté. Et après on doit aller tout là-bas. Beagle, des coucou. Je vous avais dit que toutes les personnes de la Salty Academy et tout le staff de la Salty Academy, j'aime bien leur proposer des petites activités sympas et en particulier pour se venger de toute la modération qu'ils font mal sur la chaîne Twitch. Voilà ce qu'on leur a proposé du coup. Elle est belle la vue hein. Ouais. Et on est bien là. Comment ça va Baizou? Ouais ça va. Impec. En vrai, c'est incroyable. Y a pas meilleur endroit pour visiter quoi. Attends, en vrai, ouais. Non, en vrai, ça va, c'est pas mal. Ouais, voilà les petits poulets, c'est fini. Ils ont tous terminé. Oh, la Salty là. Et voilà, du coup, on a terminé. Et voilà la belle vue pour nous féliciter. Hop, hop, hop. Et voilà, et c'est vraiment très cool. Merci sur le loisir, vous êtes des monstres. Allez, en voiture, Simon. Allez, c'est moi qui pilote. J'ai ramené, on regarde. On fait des plateaux. Regardez, il monte les muscles, il sort les muscles. Wow. Rideau sur la première journée ici du coup sur la Sioule et du coup à Sioule Loisir qui nous a accueillis pour toute la journée, donc très sympathiquement, ce qui a permis de faire, alors désolé s'il y a du vent, si vous m'entendez, j'espère que vous m'entendez bien, qui nous a permis toute la journée de faire des activités avec tout le staff de la Salty qui est là pour le coup en train de se reposer juste derrière moi, de la Via Ferrata, des trucs un petit peu péchus, un petit peu comme j'aime et comme on aime, et puis on a terminé par 3 heures de descente en canoë. On vient juste d'arriver, donc tout le monde est un petit peu fatigué. Merci infiniment à Sioule Loisir qui nous a accueillis. Et je pense que c'est important de dire merci, puisque c'est eux qui nous ont sympathiquement et gracieusement accueillis sur leur base de loisirs ici, qui propose pas mal d'activités. Donc si vous passez dans le coin, n'hésitez surtout pas. On a été accueillis par Nicolas, qui a tenu d'une main de maître l'ensemble des 30 personnes qui composaient le groupe de la Salty Academy. Donc vraiment très 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 sympa, vraiment très cool. Tout le monde a passé une bonne journée, tout le monde est bien fatigué, de la bonne fatigue. Et voilà, ciao tout le monde et n'oubliez pas, likez, partagez, tout ça, tout ça. Bye. Je veux le nom de la personne qui a fait ça. Il a fait tout seul. Ouais, bah oui, c'est ça. Alors, moi je suis une grosse balance. J'ai aidé. Mais c'est lui qui a tout commandité. Il n'y a pas de gratinure. Ouais, je vous en cul. Et puis, comme il y avait son pote et Philo, on va faire. Attends, ils sont en train de faire préparer une connerie là-bas. Oh non. Oh non. Eh, tu veux un peu de Norwalk avec.
Oh, salut les gars, dernier jour là on est en train de partir. On a des têtes, genre moi c'est rouge écrevisse, toi c'est bah, rouge écrevisse mais c'est du nez. Donc voilà, merci pour ce week-end. Ouais, c'était cool, merci à Sik, merci à tous. Franchement, c'est cool, on rencontre un peu ceux qu'on avait déjà rencontrés au premier Salty Festival, mais au deuxième voilà, de rencontrer un peu des nouvelles têtes, c'était super cool. Le top, vraiment. Hello la Salty Family. Je suis en train de rentrer chez moi, il me reste encore 1h30 de route, mais ça va. Je voulais vous dire un grand merci vraiment à Tipeee, à sa famille, etc. pour ce week-end franchement chargé en émotions. Ça m'a fait vraiment plaisir de avec vous. Pour ça, merci beaucoup. Allez, c'est ciao. Bon, enfin rentré de ce Salty Festival 2 avec le magnifique t-shirt que Vigel nous a fait. Ça fut un plaisir, vraiment, d'avoir pu tous vous voir. Partager des moments comme ça avec vous, c'était juste incroyable. Merci Tipeee pour l'organisation. C'était parfaitement géré, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Merci pour tout ce que tu fais, Six, pour toute l'année. Merci les cuistots, Zerosk, Lexi et Kenny. Crevé, mais hyper content d'avoir rencontré bon, tous les héros que j'avais déjà vus pour certains. Nico, Sky, Baizou, et puis bon, tous les autres, Axinx, la prod, machin. Bref, tout le monde, ça fait vraiment un giga plaisir. Bon, fin de ce Salty Festival, ça a été énorme. Vraiment, que des bons moments. Merci à Six, merci à Tipeee, organisation de fou, franchement. C'est passé très vite. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu une petite journée de plus. Merci aux héros que j'ai rencontrés, IRL, merci aux modos, merci à tout le monde. C'était vraiment, vraiment 3 jours exceptionnels. Ça faisait longtemps que je n'avais pas kiffé autant. Donc voilà, c'est terminé. Inch'Allah l'année prochaine, et n'oubliez pas que la Salty Academy est salty, mais pas que. We'll be right back.